Bah surtout qu'en plus, j'ai demandé de couper un peu à Zaza. C'est-à-dire que là, quand je vais les rejoindre derrière, ouais. Est-ce qu'on les laisse comme les autres ou est-ce que je les finis en attente? La photo, ouais. Sur la voiture. Ouais. Ouais. La journée, c'est normal, là. Vous avez tous prévu des baskets, je suis sûre, pour finir à suivre. Oui, elles sont là. Est-ce que tu peux mettre sur la porte? Ah, il y a un truc là, sur la porte. Ouais, sur la porte de commode, t'as un truc. Allez, ouais! On avait annulé. Je sais pas. Ah oui, le. Et c'était un peu en bas. Le châle, là, il est fait. Oui, il est foncé quand même. Ah, dommage. Il est plus aussi. Mais bon, en plus, on n'avait pas la robe avec nous et tout pour comparer les couleurs. Quoi, mais... Les photographes, bon, ça tout pis, ça fait. Oui, moi je trouve ça très bien. Qu'est-ce que je me suis fait chier. Alors déjà, tricoter avec des aiguillons. C'est difficile. Non, mais, non, mais c'est pas le. Les tricoter avec des aiguillons, je l'avais jamais fait. Bon. Et en plus, c'est un. Comment ils appellent ça? Alors, juste, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est un truc spécial qui se croise comme ça. Oui, j'ai vu que c'était. Voilà. Et alors, ça, j'y arrivais pas. Et en fait, je suis après. Où est-ce que je suis arrivée en fait? La tricote avec les aiguillons. Vous m'avez pas dit ça. Les points sont pas les mêmes que avec les aiguilles normales. C'est-à-dire que par exemple, un point mousse, les aiguilles normales, vous mettez tout à l'endroit. Bah, bon. Et bah, pour les aiguillons, il faut tricoter du jersey pour que ça donne du point mousse. Enfin bon. Là, vous êtes déjà là. C'est ça. Donc, j'ai recommencé des fois, au bout de 10 fois, j'ai dit, ça fait chier. Donc, j'ai tout défait, j'ai pris des aiguilles normales et puis j'ai fait une couture. Et puis c'est tout. Parce que c'était. Moi, je ne sais pas tricoter, donc déjà tricoter avec des aiguilles. Mais moi, jersey, hein, tu connais pas le point jersey. Bon, on peut essayer là. Non, mais si j'avais juste le bouton, non, mais faut me dire que c'est parce que. Non, Une nouvelle carrière pour l'artiste, ensuite The. Ça fait très miroir. C'est le temps, mais tout seul là. On va faire en priorité. Tu vois, en priorité. Il y a la variée. There seems to be no way. Heard the mission bell.
Ça fuse dans la tête. J'aimerais bien que là soit un peu détaché, comme ça, comme ça. Les mèches, vous les ondulez légèrement ou c'est bon? Bah celle-là je viens de l'onduler mais je peux le faire si vous voulez, j'ai un petit fer à friser. Bah, sinon, il y a, je peux vous le faire en 5 minutes. C'est comme ça, ouais, là, juste... là, ouais, là, c'est très bon. Il est parti, Edouard? Non, il est là. Ah, le dos avec les bijoux, pardon. Ah, c'est cool, j'aime bien ce truc. C'est sympa, les bijoux. Vous avez vu ça? La place. Bah, idéalement, ça fait une place aussi. Ah ouais, ouais, les places sont faites. Tu vois, je les ai faites. Non, c'est naturel. Je les avais hier soir et je les ai très bien. Mais elle a aussi la vidéo là. Si, mais. Attends, je pense. Ah, non, non, c'est pas à me dire. Est-ce que j'ai le droit d'aller au mec? Tu vas à où tu veux? J'ai le droit d'aller là-bas ou de t'envoyer ici? Bah non, attends, tu peux. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est ça. Mais là, je suis pas trop équipée pour le. Voilà, c'est jabot. Ça vous plaît, vous monsieur, à vous. Alors, on lève un petit peu la tête. Vous voulez l'accrocher comment et où? Merci. Ils vont pas être assez longs. Peut-être dans la valise. Oui. Je vais dans la poussée. Bah oui, t'inquiète. Moi, je laisserai comme ça. Ça va, ouais, ça va. Mais oui, parce que moi, j'ai pas trouvé sur le bouton ni rien. Là, ça tient. Moi, Chico. Bon, pardon. Excusez-moi. Il n'y a aucun problème. Ça ne me gêne jamais. Là, Hélène, j'ai vu. Il est de dos, tu peux. La trousse, là, sur le. Ok. Parfait. Simple. Ok. Pas. T'as demandé des chaises quelque part Non, parce que c'est en mode on sert, ça marche, ouais. À l'arrache, on va pas s'asseoir. Non. Ok, et sinon, j'ai un message, non, ton mariage, que c'est la fin, on s'en fout. Voilà. Donc, ça, c'est mes trucs. Il y a juste les boudraies qui manquent. Bon, voilà.
tu sais, moi je... Protocole, je sais pas, mais en tout cas, j'essaie de faire un truc sympa quand même. C'est ton mariage. Je mets du temps à faire ces cendres, Edouard. Je sais qu'il y en a beaucoup. N'hésitez pas par chez vous de prendre une esthéticienne. Ah, bah très bien. Bon, je sais pas où il est. Bon, au pire, je vais imprimer un truc parce que j'étais sûre qu'il y aurait un quoi comme ça. Donc, ça viendra des. Moi j'ai mon téléphone. Non, bah non, tu vas pas sortir toutes tes vannes et lire un truc. Je l'ai imprimé en. Non, mais moi j'ai laissé tous les trucs au même endroit, après tout bouge. Moi je sais plus. C'est quoi les trucs, tous les trucs au même endroit? Non, mais j'aurais une pochette avec des papiers, il y a tous les papiers dedans, après la pochette, moi je l'ai plus. C'était quoi la pochette? Ça ressemble à quoi? J'ai ramené à photo. Bon, bah, regardez en gros classeur. Toutes les impressions, tout quoi. Demande à tes témoins, c'est peut-être dans leur truc à eux, leur pochette à eux. Il faut que je fasse une fois que Bon, on n'avait pas vu le dos tout à l'heure. Ah, le dos de la petite comité. Bon, je vais voir si. Je vais voir. Et maman, elle est où là? Ah, bah quoi. Donc, du coup, là, il n'y a plus que moi après pour la coiffure, ça? Oui, oui. Ok. Je crois qu'il me reste 20 balles ou lait pour parce que je me doute que ça va partir à un moment. Allez, super, je veux. Mais après, c'est en fonction de si t'as froid. Et puis la veste, si au cas où vous avez froid. Oui, voilà. Non. Part avec la veste alors. La veste, tu sens. Je trouve ça comme un argument positif. Je pense que t'as l'air. Bah oui. On attend tout ce que je vais mettre un truc dans la bouche. Attention. On est prêt. Bah oui, j'ai froid au pied. Non, c'est vrai qu'on regarde n'importe quelle maladie. Et ça va te faire un repas. Tu vas tenir jusqu'à ce soir. Ouais, ce soir. À 17h45, il y a les bandes de là. Oui. Merci. Vas-y, prends-le. Moi, j'en ai pour 2 minutes. Et quelle heure? Elle m'a fait une pochette. Moi, ce que j'aurais dit hier, c'est là. C'est un 16. Ah, mais c'est juste. C'est pour regret. Non. On va faire. Peut-être, mais. Tu sais, c'est des spots, il y a 600 dates, là, tu le balances. Genre, c'est pas cool. C'est une pochette transparente, est-ce que c'est une pochette de. T'as pas de club. Comme ça. Après, s'ils trouvent la pochette, ils peuvent l'amener quand ils arrivent à 16h. Ils n'ont pas besoin d'amener. De toute façon, j'ai mon téléphone. C'est ça. Je vais l'écrire, moi. Donc, je vais vous. J'ai des feuilles. Quand c'est Instagram, ça va, mais quand c'est les meufs, ça passe pas. T'as des feuilles, hein. Ouais, par contre, pour elle, elle est sur ses téléphones H24 sur les réseaux sociaux. Pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais. Bon. Je vais l'écrire. T'as pris un brouillon à mettre en place. J'arrête, quelque chose. Non, quelque chose. En plus, tu sais, pas. Allez, je vais écrire. D'accord. Je vais l'écrire dans les la perte de son œil, ça serait horrible, antique. C'est la pression. T'es filmé. Il est quelle heure? Non, ça va, il est bon, 14h. Non, il est 14h maintenant. Ok, non, mais j'étais là, j'étais en train de me dire, mais les gens, ils n'arrivent pas. Pouf. On est bonne, on est bonne. Tu veux que je me pousse? Pardon? Ah. Ouf. Edouard, c'est quoi ton code? C'est. Chaque fois, il faut taper le code. Moi, je l'ai enlevé, ça, parce que c'est trop pénible. Et ensuite.
tout de suite, sinon ça va foutre le pot. Ouais, tout ça, il faut que tu recopies. Tout ça, et après, toi, il y a ces promesses lors des échanges des avions. Oui, c'est ça, c'est bon. Allez, à la vôtre, les mecs. Santé, c'est là, on voit la tienne. À la tienne, et puis on va arriver. Salut. Je suis de la ville. Même quasi que du CBD. Ils faisaient la promo du CBD, j'étais outré. Ils sont là à mettre leur feuille de cannabis, mais c'est du CBD, ils ont dû faire CBD. Légal. Moins inférieur à 0,2%. Ouais. C'est non, j'ai plus combien c'est, bref, de THC. Il y a un goût de. Tu verras. Qu'est-ce que je voudrais bien qu'on me serve un petit thé ? Oui, c'est ça que j'aimerais. Il y a de la bière, il y a tout, mais il n'y aura pas un petit thé pour moi. Non. Juste le chaud dans la thermos et je vous l'amène. Oui, vous mettez tout dedans. Ouais, je vais prendre le... Oui, voilà. C'est sûr. Déjà, tu te tires ma nuit. Arrête, tu te tires. Les sujets qui fâchent, là. Ouais, bien sûr, mec. Ok. C'est ton cœur qui se tient. Qui sait. Et ça... Ça, tu sais t'en servir, ça? Pas du tout. C'est ton métier, ça, non? C'est quoi? C'est ton métier. Oui, oui, c'est vrai. En tant que femme, je fais ça souvent. Ah non, je parle de... C'était pas du tout par rapport à ton sexe. C'est mal compris, hein. Ah, je sais pas ce que je fais, là. Franchement, là, je vais pas repasser avec ça, je pense. Hein. Il est là, hein. Ouais, ouais. On est là. Bon, moi, je suis là, bien sûr. Shalom. Non, normalement, je devrais d'abord me raser, sauf que je me rase où, vu que... Ah, faut que tu te rases, mon poteau, là. Et... Ah, ça attention. Ah, c'est chaud, cette merde. Non, je suis blanche aussi, il va falloir faire. C'est pas mal là? Ouais. Ah! Edouard, il est où la vie? Bah, il revient dans pas trop longtemps. Là. Ok. Ok. On verra avec lui alors. Bonjour. Si vous avez des choses à repasser, n'hésitez pas, hein. On va les faire. Là, c'est bien. On est là. Je note l'adresse. Ça ne verra pas les manches, c'est pas con ça. Ah, il y en a un qui fait le manche et qui fait rien. Il y en a un qui fait le manche. C'est toi là, toi. Ouais. Bon, tournons la chemise. Ah, ouais, bah, non. Là, c'est que je suis trop loin, je peux plus, j'ai pas de fil. T'as pas de mou? J'ai pas de mou. J'ai du dur. Ouh là, ça y va là. Là, ça rigole, ça steam de ouf là. Là, 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 on est sur le. Mais pas mal. Ça va, ça va le faire. De toute façon, c'est là. Les manches, c'est toujours casse-couille. Là, ça va, le col, le dos. Vas-y, on va faire celle-là. Le dos, tu l'as déjà fait, là. Non, non, on l'a pas fait. Ah, je comprends. Tiens, bah, tiens là, toi. Ouais, voilà. Ouais. Regarde. T'éloigne pas, je t'en exprès. Si tu veux, je t'en bats. Non, mais juste là, je veux mieux pour tirer, en fait. On peut pas lui arracher sa chemise, hein. C'était lui. Tiens là bien. Je vais le laisser. Une originalité. Et toi, t'es en quoi? T'es en je rose, Ethan. C'est sûr, il est en rose, bien. Je suis en vert d'eau. Il est en rose, fluo. Non, je suis en vert. Vert d'eau. Vert d'eau, bleu. Tiens, attends, c'est bon. On va refaire un peu devant. Pour être... Et lui, il est committed maintenant, là. Ça y est, il est au taquet, là. C'est sa mission, c'est sa besogne. Ouais. Non, mais j'avoue, c'est chum, ça. J'avoue que les chemises. Ouais, c'est comme le sauna. On est pas mal, là, quoi. Ouais. Ah ouais. Il est où, Doudou? C'est grave bonne, j'en boirais facilement un 4-5. Ouais. Il y a pas de... J'imagine t'as mis pas mal d'essais, quoi. Ouais, mais c'est les autres junkies, là. Fermez la porte, c'est pas compliqué. Je l'ai dit. Pourquoi il faut celui-là? Parce que Steph, je sais qu'elle l'aime bien. Ah, ok. À moitié transparent, vous pouvez faire un truc de transparent. Reviens-nous en slip. Bah, il y a plusieurs pliages, il y a 6 pliages. C'est ça. C'est très chiant pour faire une fois. Je suis pas mal. Comme ça. Te rapprocher de la fenêtre quand tu fais les trucs. Ah ouais, on pourra plus charger qui dit. Quoi, le bêta? Montre.
Ah oui, il y a les boutons des chaînes. Non, j'ai compté de boutons. Ouais. Non, mais ah, c'est mon costume, pardon. Mais tu sais te plier ? Ah, c'est pas des boutons de manche. Attends, ça a fait l'affaire en marée civile. J'avais déjà acheté cela, mais j'avais oublié. Moi, ça, j'ai oublié les pompes, j'ai oublié les boutons de manchette. C'est vrai que les pompes. Ouais, les pompes, ils sont en tennis. Ouais, mais mes tennis, ils sont ultra stylés, mon gars. Il y en a 800 dans le monde, alors je te mets. Ouais, bah ouais. Il m'a tué une vidéo et il a l'air de. C'est simple pourtant. C'est gris, hein. C'est gris. C'est pas grave, ça, vous pouvez. T'as une ceinture ? Non ? Ah bah non, si, c'est gris. Merci, c'est. Qui ? Non, elle est bien là. Elle est bien là, le petit Ed là. C'est qui ? Ah, Luigi ! Ça va mon papy ? Ouais, là. Ok. Ouais ? Cool. Tu viens d'arriver ? Bah ouais. Non ? Encore sur la route ? Non, ouais, je. Oula ! Arrivé hier ? Ah, franchement. Non, j'ai pas réfléchi avant, c'est qu'en fait. Franchement, la chimie est parfaitement en place. Ah, bon, j'ai dit 7 points, elle était jamais comme ça. Ah, mais c'est tout moi. En plus, elle vient de se. Qu'est-ce qui se passe ? Et déjà, je suppose. Oh, ah, c'est... tu veux la couper ? Ah, mais je suis obligé, regarde. Attends. Oui, nous, c'est chaud. Perdu bien plus de potes. Ah, par contre, t'as des. Attends. Ceinture-toi. Bien sûr qu'il faut la couper. Mais les potes, mais les jeunes, non, ça. Mais Doudou, attends, tu fais combien autour de taille ? Bon, de toute façon, il va falloir la couper cette. Je sais pas, en vrai. Tu peux lever la tête ? Lève la tête ? Allez, vas-y, ça part. Doudou, je coupe ça. Attention. Je te boutonne au ras du. Ouais. Ça, là, on peut pas mettre. Ça va. Ouais, ça va. Merde, ça va. Il est simple. On appelle des professionnels. Non, là ça va. Mais il faut. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Tiens, derrière. Ah, ouais, t'as ma tombe comme un gigot là que t'es la tête. Ouais, t'es violette. Et comment je chante. Tu chantes pas. Merde. Oh, du soleil. Alléluia. Ouf. Je te sers un peu plus encore. Non. Pain is good. Est-ce que t'as prévu le. Embrace the pain. No pain, no gain. Exactly. Ouais, mais j'ai pas envie de marcher derrière. Ça, on a pas envie de marcher derrière. Ouais, c'est laissé. Ouais. Je recoupe ou pas ? C'est bon, on est parti. C'est un truc de là-bas. Bah écoute, nous là, je vais te demander, mais. Ah, je vais accueillir ouais, on va accueillir des gens. Tu veux être habillé. Et si on attend même à combien ? Oui, Doudou, les tentes, c'est où ? Alors, je vais te dire les tentes. Doudou, les tentes, si on veut mettre la tente, c'est où ? Ouais, mais calé dans le salon. En gros, dans le salon. Ah, je sais pas, tout à coup, ça s'est arrêté. Par ce qui est écrit là. Écoute, ce que je dis. Oui, il va regarder. Voilà. Ah, bon goût. Tout est neuf, c'est bien. Hop. Il n'y a pas bambou là, mais. Parfait. On peut couper ça maintenant. Où les ciseaux ? Je crois qu'ils sont dans le. J'ai laissé les ciseaux dans les chiottes là. Ils ont une manière de. Ah, mais non, mais j'ai pas besoin de ciseaux, il faut que je défasse ça comme ça. Sinon, je vais me faire piéger aussi, comme pour le. Tirer comme ça. Là, tu passes ça, je sais pas où. Le premier, on le met. Ouais, on le met en premier. Tac. La taille est la bonne. Ça n'a pas bougé, tant mieux. Ouais, c'était bien, donc. À l'envers après. Derrière, qu'est-ce qu'il y a ? C'est. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est dans le costard. Tiens, vas-y. C'est quoi ça ? T'as des chiens ? Je sais pas ce que c'est, je me suis posé la question. Ah non, c'est des canards qu'ils ont tués, c'est ça. Waouh, c'est des malades. Ouais, c'est ça, je me disais. Mais... pas la folie ces chaussures, mais bon. Pour une journée. Niveau confort, tu veux dire ? La merde. Chaussée à 39 euros. Pas obligé de le fumer maintenant, hein ? Non, ce sera plus tard. Putain, Stéphanie,
Depuis quasiment 8 ans que l'on s'est rencontrés et 5 ans de vie commune, tu es devenue une partie de moi, ma moitié, mon âme sœur. Tu m'as soutenue quand je me suis éloigné du droit chemin. Tu m'as aidée à me relever quand seul j'aurais sombré. Tu es toujours présente quand j'ai besoin de toi. Tu m'accompagnes au jour le jour et tu m'as donné la force de... la force de persister dans la voie que j'ai décidé d'embrasser contre toute attente, et aux grandes âmes de certains quand presque personne ne croyait en moi. En cela, tu es mon médicament, mon pilier. Aujourd'hui, si je suis un homme épanoui, qui sait dans quelle direction il va et de quelle manière il peut y parvenir, c'est en grande partie grâce à toi. Pour cela et pour tout le reste, je ne te remercierai jamais assez. Je voudrais également te dire que tout ce que tu m'as apporté jusqu'à aujourd'hui m'apporte encore et continuera de m'apporter. Je veux te le rendre tout au long de notre vie car tu le mérites plus que toute autre personne. Sans toi, je ne suis pas entier, je ne me sens pas moi-même, je suis seul et perdu. Je me sens carrément vide quand tu n'es pas à mes côtés. Et je crois que c'est cela l'amour, le vrai, et c'est pourquoi je suis absolument certain aujourd'hui que la femme de ma vie, c'est toi Stéphanie. Je te promets de te chérir, de te protéger, de t'être fidèle, de te soutenir dans les bons moments comme dans les épreuves de la vie. De te rassurer, de sécher tes larmes, que tu sois triste ou que tu pleures de joie. D'élever et bercer nos enfants avec tout l'amour que nous partageons et de t'accompagner tout au long du chemin de la vie que nous partageons déjà et que je le souhaite de tout mon être, nous partageons pour toujours. C'est pourquoi je ne me lasserai jamais de répéter les mots suivants. Mon amour, mon ange, mon bébé, mon cœur, ma princesse, je t'aime. Magnifique. Pareil que j'ai un talent pour l'écriture. C'est ok, alors, bah du coup tu vas essayer de continuer de regarder voir là, je sais que c'est un peu compliqué du coup je peux bon, pas... voilà. Faut pas m'y mettre. est-ce que tu peux te rappeler la première fois que tu l'as vu? Ah, bien sûr, ouais. On s'est rencontrés par l'intermédiaire de notre amie Louise que tu as vue tout à l'heure. Qui, voilà, moi j'étais pas au courant de voilà que c'était une rencontre arrangée entre guillemets, elle non plus. Et puis bah ouais, je m'en souviens très bien parce que c'était dans un bar qui s'appelle Le Fantôme, qui n'existe plus aujourd'hui à Paris. C'était un bar sur le thème du rétro gaming. C'est marquant, moi j'aime bien les jeux vidéo, enfin j'aimais bien. Et bref, oui, je me souviens très bien parce que j'étais ultra à la bourse, c'était dans mon ancien métier de comptoir de gestion. Et bref, il faisait super chaud ce jour-là, moi je supporte mal la chaleur, et du coup, bah, pour arriver, je savais pas que c'était arrangé, mais bon, c'était une copine à mon ami, donc je me dis, bon, faut quand même j'arrive bien et tout. Et du coup, j'ai pris un taxi plus rapide, climatisé, machin, je suis arrivé en costard, chemise blanche, machin, et puis je suis sorti du taxi, et puis boum, c'était une grande vite comme ça, et tout de suite, j'ai vu Louise, évidemment irreconnaissable, et puis Stéphanie en face, et je l'ai tout de suite trouvé magnifique, et en fait je l'ai vue tout de suite ouais, resplendissante, comme derrière une vitrine, et c'était génial, je m'en souviens très bien, comme c'était hier. Je pourrais te donner plus de détails sur la soirée aussi. J'ai essayé, je lui ai fait boire beaucoup de White Russian, elle m'a fait croire qu'elle aimait bien, mais en fait elle trouvait ça dégueulasse. Et voilà, en gros, la première rencontre. Elle était très timide, très réservée, donc c'est vrai que voilà, nous retrouvons avec Louise après quelques années, on ne s'était pas vu. Bon, nous on est ultra expansifs, donc on parlait, elle était là, elle essayait de placer des trucs, mais c'était difficile. Et ça a fini par discuter de mon ex, qui est une très bonne amie de Louise également, ce qui est assez surprenant. Et du coup, bah bon, après on s'est quitté, voilà. Mais on s'est très vite revus. Okay. Je l'ai ajouté tout de suite sur Facebook et j'ai pas attendu avant de la recontacter. On se revoit. Ok. Quel est le moment qui a été le plus dur à surmonter pour vous deux et comment est-ce que vous avez pu le surmonter Pour nous deux ensemble? Ouais, ou pour votre couple ou quelque chose de dur dans votre vie. Comment est-ce que vous avez pu... Plusieurs. Après, il peut y avoir des choses un peu touchy. Ça, c'est quelque chose qui sera pour nous, on est d'accord. Ce que tu es confortable de dire. Bah, de toute façon, je suis transparent. Puis les gens le savent un peu. Bah, j'ai eu des gros problèmes d'addiction, de drogue. Et pas que de la drogue douce. Et grâce à elle, j'ai pu m'en sortir, ce qui n'aurait, je pense, pas été possible sans elle, parce que tout seul, j'aurais, ce que je disais un peu dans mon discours, c'est que j'aurais sombré, et elle m'a permis de ne pas sombrer, et de justement m'aider à me retrouver, et à, comment dire, à trouver une nouvelle voie, qui était une voie qui était en moi, en fait, depuis toujours, mais que j'aurais sûrement pas trouvé le courage seul de poursuivre. Et après, je dirais que l'autre moment très compliqué, évidemment, ça a été récemment la perte de son père.
où là, bah voilà, c'est encore très frais, c'est encore difficile, et c'est vrai que bah voilà, les derniers mois, on les a pas passés ensemble, donc je peux pas non plus dire que j'ai été du grand soutien possible, puisque bah c'est vrai qu'elle elle a été absente et elle a géré tout ce qu'il y a à gérer, succession, machin. Mais elle sait que je suis là, quand elle est revenue dans le bassin d'Arcachon, à la maison, bah, voilà, j'étais là, je prenais le grand soin d'elle autant que possible, avec mon travail très prenant, malheureusement. Et puis bah, ce sera toujours le cas, donc tant qu'elle aura besoin et qu'elle ne sera pas remise de cette perte, bah, je serai là, je serai toujours là, et puis de toute façon je serai toujours là pour tout. Quelle est sa... une qualité ou plusieurs qui te... que tu admires chez elle, que toi tu n'as pas bah, peut-être qualité, ou... c'est... bah, ouais, ce qui est assez impressionnant, c'est son côté enfin, carré, organisation, c'est juste impressionnant. Bah, si on est là aujourd'hui, que tout ça est possible, bon, c'est évidemment, il fallait qu'on soit deux. Mais ouais, c'est magnifique comment elle a bossé sur le mariage et comment elle a organisé toutes les tâches. Enfin, c'est impressionnant. C'est... Enfin, j'en presque des larmes aux yeux juste de le dire parce que sans elle, bah, ça aurait pas été aussi carré. Ça aurait été très bien, mais beaucoup plus simple et beaucoup, beaucoup plus à l'arrache. Et ouais, donc ça, c'est vraiment sa qualité première, elle le sait. Et il faudrait qu'elle l'exploite d'ailleurs dans sa vie professionnelle. Peut-être qu'elle y réfléchira. Et bien sûr, il y en a plein d'autres, mais tu m'as demandé une qualité. Ouais, ouais. Pour moi, c'est ça. Après, je vais pas te parler de sa beauté et tout ça. Physiquement, c'est quoi la partie de son corps que tu préfères? Son visage. Son visage que je trouve magnifique. Moi, je fais partie, on va dire, de ces hommes qui justement vont d'abord juger un visage avant le reste du corps. C'est peut-être assez rare et pareil aujourd'hui. Et ouais, je l'ai juste magnifique, quoi. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Oh. Excellent. Qui est cette magnifique jeune femme? Oui, il n'y a pas que son visage que j'aime. C'est très... Bah, c'est excellent. Putain, c'est génial. Très sensuel, très sexy. C'est des très belles photos. Ça me rappelle... Ouais, on va dire plus le début de notre... Mais ça va redevenir un peu... C'est magnifique. Ça, c'était où? C'est ça la question. Dernière. C'est osé. Mais c'était où ça? Pour quelqu'un de timide, hein? Ouais. Vous n'avez pas le droit de me dire. Tu lui demanderas? Ouais, bah, tu raconteras oui, tout ça. Moi j'en ai eu, ouais, génial. Génial, super, c'est génial. Voilà. Je m'attendais pas du tout à ça. Ah, mais j'avais réussi à faire. Excuse-moi. Moi c'est bon, ça me procède. Comme ça, après oui. La broche, le bouquet on donne dans les doigts. Là il y a de la lumière partout. Ouais, tu veux quoi faire? Vas-y, vas-y, n'hésite pas. Bon, j'ai prévu trois couleurs différentes parce que la meuf elle m'avait dit normalement c'est pour des culottes rouges. Ouais. Bon, j'ai pris une culotte rouge mais en dentelle. Donc après j'ai acheté un shorty chair et un string couleur chair. On va voir ce qui se voit le moins parce que je reste ouais, un peu traumatisée du mariage civil où on voyait ma culotte. Ça m'a vu something old, something new, something wrong, something. Ah non, j'ai pas ça. Moi, c'est ce truc que j'avais pour mon mariage. Allez, je t'avais trouvé. Tu l'enfiles par en bas. Est-ce que tu veux t'aider? Allez, vas-y. D'où va le faire? Faut que je marche. Allez, go! Vas-y, remets. Ah, ça, tu l'enlèves? Bah oui. Ah bon, d'accord. Ah oui, c'est bon. Je suis en dessous. Tiens. D'accord. Vas-y, c'est bon. Pour la coiffure. Allez-y, aidez-la, là, derrière. Hop, voilà. Voilà. Très joli dos. Oui. Attends. Il y a un petit besoin. Vas-y.
Il y a encore des bleus sur le dos ou pas? Non. Non. Attends, elle m'a dit il faut remettre les seins. Ah. Littéralement. C'est technique. Bon. Ouais, c'est oui. Mets-toi droite. Je suis droite. La... Non, mais c'est une autre. Ah oui, c'est la vraie robe. Bah attendez, est-ce que déjà on voit ma culotte? Non. On voit pas les plis, on voit pas les quelque chose? Non. Là, si tu tires. Non mais si, si tu tires. Si tu tires, mais voilà, là tu tires. Là, là oui, mais non, on voyait pas. Non non, on voit rien. Okay. On voit rien. On voit rien. Alors les chaussures. Non voilà. Ah là là. Avec des chaussures. Ouais, j'entends que tu vas super bien. Cool. Allez, les chaussures. Ouais, elle est vraiment très bien. Ah tu fais non mais tu fais partie du truc hein, viens. Bah oui, pourquoi t'es là toi? Bah c'est parce que je voulais pas passer pendant. Ah non mais. C'est Mitterra qui fait des signes comme ça. Je suis coincée. Ça marche ou pas? Le petit trou là. Oui, je cherche. Cendrillon. Attends, j'ai un souci de chaussures. Qu'est-ce que... Attends. Non, attends, mais maman. Le biconio, il s'est coincé. Ah, le biconio, c'est coincé. Alors, moi, j'ai un problème d'ongle. Voilà. Voilà, alors, à quel trou tu veux? Je sais pas, là, celui qui est censé être utilisé. Celui-là, ça te va ou c'est trop serré? Je pense que c'est trop serré parce que j'avais pour le fil... Là. Ouais. Montez pas, ça fait son nom. Tiens. Non, le sac. Vas-y. Celui-là. Allez. Toc. On va ressortir Barbie à Rodo. Ou c'est autre chose, ça fait. Là où plus serré. J'ai plié ta veste. Non, là, c'est plus serré. Là, là. Hop. Chaussures à sauce. Moi, il me fallait. Il y avait 4-3 critères. Un talon épais et pas trop haut. Non, c'est censé. L'homme, je crois, il est censé l'enlever. Enfin, le mari est censé l'enlever. Ah, moi, j'ai fait un. Dans la salle, c'est un escape jarretière. Ah ouais, je sais. Un escape jarretière. Voilà. Donc, en fait, il y a deux jarretières. C'est bon. C'était prêt. Avec le jarretière, il faut se mettre dans la natte, c'est ça? Bah, il faut cacher l'élastique normalement. C'est au milieu. Il n'y a pas d'élastique. Attention parce qu'il est fragile. Oui, oui, je sais. Ça fait bien. Paf. Non, on te voit pas. C'est un peu haut, non? C'est un peu haut, hein. Alors, je vais le mettre plus bas. Ah ouais, de face. Oui, on fait. Attention à pas défaire les... En fait, de... ouais, on pouvait voir un peu les feuilles. Ouais. Après, ça dépend s'il y a beaucoup de... Désolé. Après, il faut que... Non, enlève-toi. Que la sienne aussi. C'est pour ça, la coiffeuse, je disais pas haut, pas haut, là. Elle a déjà fait un peu haut, là. Elle a repris, en plus. As-tu besoin d'aide? Ça a l'air de bien. Là, regardez dans le miroir. Là, dans le miroir. Vous en pensez quoi, les filles? Non, c'est joli qu'on voit un peu des côtés. Oui, non, mais sinon, il y en avait un petit dans la salle. C'est mieux. Bah, rapproche-toi. En tout cas, de dos, c'est très beau. De dos, je trouve ça très joli. Ah, super, merci. Ah, cool. Vas-y, baisse un peu, Solène. Ça va là? Ouais. Si, si. Non, franchement, c'est bon. Hein. Après, bah non, avec ça fait une main orbite, tu vois. Non, mais après, que, avec oula, le truc qui a fait la coiffure, on peut le rapprocher. Non, on ne peut pas mettre plus bas. Non, on ne peut pas mettre plus bas. On voit le peigne un peu, non? Là, ici. Okay. On voit légèrement le peigne, ouais. Mais il faut se mettre au-dessus de ta tête pour le voir. Quoi. Bah, il n'y a pas de rencontre de ta taille qui va. Les deux petites bagues en rame. Voilà. Comment je sais pas qu'on fait avec des ongles? Moi, j'arrive pas. Ensuite, le bracelet de pépin. Ouais, tu me mets sur le côté droit. Je l'appelle comme ça. Mais... Hélène, j'aurai besoin de toi pour le piercing. C'est les le piercing. Oula, c'est une lombride. Hélène, laisse un peu d'ajouter. Allez, voilà.
Je suis dedans. Non, c'est bon, je fais. Est-ce qu'il faut le faire quoi? Attends, j'enlève celui que j'ai. Ah, ouais. Les filles, j'arrive pas. Et alors lui, tu te mets quoi avec ça? C'est bien, elle demande une personne qu'on est tous à se lever. Bah, faut retourner oui, là, tu sais, vas-y. Attends, j'enlève le truc. Imagine la bouche blanche devant. Ouais. Tain, tu peux mettre les bras sur les colliers maintenant, ouais. On a deux. Moi, j'arrive à le faire. De l'autre côté, celui-là? Non, même côté, je pense, on va voir. Quoique. Ouais, non, t'as raison, de l'autre côté. Un peu plus serré, stop. Ok. Alors. Tu me diras si toi. Laisse. Pour être personne, quoi, bah, c'est sa journée, c'est ça. Bah, c'est le max. C'est ça, c'est ça. Non, il y a un peu plus à vrai. Vas-y. Elle profite, genre, t'auras pas tous les jours 4 personnes en train de s'occuper de toi. Ok. Alors là, deuxième problème. Un, deux. Ouais, parce que je sais pas. Ah bah, il y en avait une troisième paire. Non, on prend en photo d'abord. Alors, on prend en photo parce que c'est trop belle. Et puis, j'ai envie de te dire, il y en a tellement qui te prennent en photo que, hein, on en profite. Alors, vous préférez lesquelles? Je vais pas le mettre. Donc il y en a des ongles comme ça. Tu veux que je te le mette? Non, genre, je le laisse. Tu veux que je te le mette? Il y en a des comme ça. Tu penses que tu arriveras toi? Ouais, moi j'ai l'habitude. Moi j'irai. Bah, tiens, vas-y, essaye. Moi j'irai les crayons. C'est la vue là. Ou les mains, et peut-être celle-là. Ah, c'est celle-là. C'est pas à voir, c'est l'extérieur. J'irai bien une bonne pour celle-là. Alors attendez, mettez à côté. Bah, mets-les déjà. Je peux en mettre deux, une chaque côté pour voir. Et c'est quoi les autres? Moi j'irai les triangles. C'est double comme ça. Faut pas enlever la boule, si, non? Ou faut la mettre? Moi je trouve entre celle-là. Faut enlever la boule. Ouais, elles sont pas mal celle-là. Ah oui, non, si, ça, ok. Tu t'en sors? Celle-là ou les crayons? Ouais, je pense que je vais y arriver. Ouais, est-ce que je le mets, j'arrive à me le mettre à moi? Oui, moi aussi, à moi. Attends que. Ah oui, si tu mets la boule métallisée à l'avant. Qui vote? Si, je sais pas. Je vais mettre tout ça. Moi je fais. Je sais pas. Peut-être qu'elles sont plus difficiles. Mais ça va pas lui faire mal ces gens. Moi je préfère celle-là. Parce qu'elle a déjà quand même pas mal de vieilles. Ça allège celle que tu tiens. Celle-ci. Ça allège un peu plus. Je pense que de base je partirais peut-être plus pour elle. Attention, c'est frotté à moi. J'ai les ongles frais. Tu suis bien. Moi c'est bien ça. C'est parfait. Je suis cachée, on voit pas ma tête. Ah oui, non, attends. Ah zut. Elle se cache pour des photos. Ah les personnes, c'est cool. Franchement. Ça va? Non. Alors c'est quoi? Une fusée. Oui, bah oui, c'est ça, c'est une fusée. Oui. Mon chéri croyait qu'il m'avait acheté une Vénus. Ah non, ça sent pas une Vénus, ça sent pas une fusée. Tu l'as fait à moi? Tu peux le faire toi-même ça. C'est bon, super. Je vous dis. Ok. Très bien. Posez les vestes aussi. Ok, super. Vous ne le savez peut-être pas, mais je comptais moi faire la demande en mariage à la base. J'avais tout prévu, un week-end en Allemagne au château de Neuschwanstein pour nos 5 ans. J'avais écrit ma demande et tout, et puis finalement j'ai voulu attendre qu'il le fasse lui, un an après. Mais voilà, pour écrire mes vœux, j'ai tout simplement utilisé ma demande en mariage, qui reste toujours d'actualité et qui le sera toujours. Tout a commencé le 24 février 2014. Édouard, tu es un bel homme dans ta chemise blanche qui menaçait de craquer. Je n'ai pas tout de suite su que tu serais l'homme de ma vie, et pourtant ce fut tellement rapide. À peine quelques semaines dans notre relation, que tu boudais parce que je n'utilisais pas de petits surnoms pour toi. 4 mois après nous être mis en couple, tu me disais « je t'aime » au téléphone avant de partir en Colombie, et tu pleurais à la bouche du métro quand on se séparait pour plus d'un mois. Et quelques mois après, je faisais déjà des petits dessins à la bibliothèque de moi en robe de mariée. Je n'ai pas su tout de suite que tu serais l'homme de ma vie, mais vraiment tellement peu de temps après. On a eu des moments difficiles, et on en aura d'autres, c'est normal, mais ils font pas figure face au bon moment. Nos sorties ensemble, nos voyages qui ont consolidé et confirmé notre amour. Et puis les week-ends sous la couette, à manger des glaces et du fast-food en regardant une bonne série collée l'un contre l'autre. Les meilleurs moments sont parfois les plus simples. Notre force, c'est qu'on est complémentaires. Toi, l'hypochondriaque qui hurle le moindre bobo. Moi, la contrôle fric qui régit sa vie grâce à un système à 5 couleurs dans son agenda. Et pourtant, on est aussi bien similaires. Deux gros bébés qui ont inventé notre propre langage chou. Deux gros gourmands qui n'auront pas réussi à perdre les seins. Bon, ça c'est autre chose, pardon. Deux amoureux du voyage aussi. Nos 7 mois en Amérique du Sud furent vraiment magiques. Deux amoureux du voyage aussi. Nos 7 mois en Amérique du Sud furent magiques. Je veux bien que tu refasses, désolé. Deux amoureux du voyage aussi. Nos 7 mois en Amérique du Sud furent magiques. Bref, je pense que notre différence et nos points communs nous permettent de fonder une famille. Bref, je pense que notre différence et nos points communs nous permettront de fonder une famille heureuse.
J'ai hâte de la commencer, alors même qu'il y a quelques années, je n'étais même pas encore sûre de vouloir un jour des enfants. Mais entre ma patience, parce que la tienne, on sait que c'est pas vraiment ça, et ta débrouillardise, parce que moi, mon cerveau s'arrête de fonctionner devant un truc que je connais pas, on devrait s'en sortir. Alors voilà, je sais que c'est toi et pas un autre. Tu es le seul qui m'a poussée à dépasser ma timidité, le seul que je vois dans l'avenir à mes côtés. Jamais je n'imagine quiconque d'autre que toi et moi ensemble. Parce que je suis ta princesse, que je suis ta priorité, que quand je ne suis pas bien, tu es toujours présent. Tu m'as toujours rappelé au téléphone quand j'étais mal, alors même que tu étais en réunion. Je peux compter sur toi. Tu es mon premier Edouard et mon dernier. Je veux prendre soin de toi pour la vie. Je veux partager avec toi toutes mes expériences. Je veux découvrir, apprendre à tes côtés et traverser les inévitables moments durs avec toi pour toujours ressortir plus fort ensemble. Parfait. Très joli. Non, merci. Ok. Est-ce que tu peux me parler d'une des qualités ou de plusieurs qualités qu'il a et que tu admires chez lui, et notamment des moments qui t'ont particulièrement marqué vis-à-vis de ça? Oh, c'est affreux, je suis nulle en impro, je me souviens déjà à la séance boudoir, j'étais... Edouard, c'est quelqu'un qui est un pilier pour moi, et je suis d'ailleurs son pilier pour lui, comme il me le dit souvent. C'est vrai que quand j'ai besoin de lui, il est toujours là, il me soutient toujours... que ce soit dans mes choix ou dans les idées que je peux avoir dans le futur ou dans les moments pas très joyeux et pas très rigolos, c'est une oreille attentive et c'est surtout quelqu'un qui est prêt à tout pour moi, et c'est tellement rassurant d'avoir quelqu'un comme ça à ses côtés, de savoir que s'il se passe quelque chose, il y aura toujours Edouard à côté de moi qui pourra me soutenir et m'aider dans les moments difficiles, mais aussi les moments joyeux qui sont très sympas et on en partage beaucoup, et voilà. C'est quoi ton opinion sur les White Russian? Les cocktails White Russian, c'est vraiment... c'est dégueulasse. Non, j'aime pas du tout ça, mais Edouard, c'est rigolo, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés dans un petit café, bref, il m'avait proposé de commander des White Russian. J'ai fait genre que j'aimais ça, alors que je n'aime pas du tout, mais ça avait l'air de... Ça avait l'air de lui faire plaisir, et puis ça le fait pas de dire « Ah non, j'aime pas ça, non, pardon, désolé, mais je vais pas en prendre. » Donc ouais. Ok. Est-ce que tu peux me parler... Est-ce que tu te souviens du moment où... tu l'as déjà dit un petit peu dans ton discours, mais tu peux peut-être le redire aussi un peu avec tes mots. Du moment où tu t'es dit que c'était lui, ou d'un moment où ça t'a confirmé que c'était lui? Je pense que j'ai su que c'était lui vraiment quand il est parti à l'étranger pendant plus d'un mois. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand tu n'as pas l'autre à côté de toi, que tu sais. Parce que soit la personne, elle te manque, soit tu t'en fiches un peu. Et Edouard, clairement, il me manquait énormément. J'étais au travail, mais j'étais toujours sur mon téléphone à checker les SMS, les machins. Enfin, et du coup, ouais, c'est là que j'ai su que vraiment c'était quelque chose de fort, et voilà. Ok. L'organisation du mariage, est-ce que tu peux en parler un peu? Alors le mariage, ça fait un petit moment qu'on est dessus, parce qu'il y a eu un report, plusieurs même, mais lui, il a toujours été partant pour se marier. Moi, ça a été un peu plus lent à se mettre en place, mais quand il a fait sa demande... on a tous les deux pris les devants en cherchant un lieu de réception, et après j'avoue que c'est un petit peu moi qui ai un peu plus travaillé, mais il a fait sa part des choses, il a cherché le DJ, il a cherché le traiteur, donc des choses importantes pour un mariage, et moi j'ai plus fait les petites décorations, les petites choses facultatives mais importantes qui font qu'un mariage est réussi. Ok, c'est quoi que tu préfères chez lui physiquement ? Que je préfère chez Edouard physiquement, je pense que c'est ses yeux, ses beaux yeux marron vert, un peu en amande, avec ses longs cils bien plus grands que les miens, et qui sont très jolis, qui me regardent avec passion et amour, et voilà, très rassurant. Un petit truc. Mais où est-il là tout de suite? Il est normalement, il est dans la salle de réception. Non, pas dans la salle de réception, il est au niveau de la cérémonie laïque, parce que c'est pendant la cérémonie laïque. Oui, d'accord. Okay. De toute façon, c'est Adrien et Nicolas qui va diriger. Voilà. On en met en cadeau. Ne regardez pas, vous l'avez pas vu.
C'est qui? C'est magnifique. C'est vrai? La robe, elle est parfaite. T'es parfaite, c'est très bien. Tiens, je te remets ça. Il paraît que c'est à toi. J'étais surpris d'avoir le... C'est vraiment... C'est sublime. J'aime bien mes cheveux. J'aime tout, ça a toujours été, mais... C'est... Un petit bisou dans le cou, j'aime bien. Bah oui, t'as le droit, c'est bon, aujourd'hui t'as pas. Un petit bisou. C'est ouais, c'est parfait quoi. Très bien, je suis c'est pas parfait, une robe de princesse. Non, elle est simple, et... mais elle est vraiment belle et elle tombe bien. Oui, c'est joli. Les broderies sont très jolies. T'as quand même une jolie petite traîne. Oh, elle est toute sale, ma traîne. Oh, tu me fais la traîne. Viens, je vais nettoyer la traîne. Oui, je sais que tu voulais une traîne, enfin que tu aimais bien ce système et tout. C'est ce qui manquait à la robe du mage à la mairie. Ça va, c'est tout bouti, on retrouve beau costume là. C'est bien maragé. Oui, c'est bien, très bien. T'as les cernes effacées. Elle m'a dit que j'avais pas trop de cernes. Ah bon, bah tu vois, très bien. T'as bien pris la bonne parce qu'on avait une un peu plus grosse pour le mariage. Ah, c'est pas moi qui ai fait. J'espère que les témoins ont. Mais ça s'accroche là, je pensais que c'était dans la poche en fait. Bon, je sais bien. Pas, c'est je pas sais. Moi qui l'ai fait. Bah écoute, je vais te faire. J'ai laissé Adrien de remettre ça à toutes les personnes concernées. Ok, ça va. Ça, donc Nicolas, il en a une. Moi. J'espère. Très bien, des chaussures qui va jouer avec toi. On la voit pas du coup. Ah, voilà. C'est des larmes. Pardon. J'ai cru que c'était. Mais oui, mais c'est parce que j'ai des proportions de déjà. C'est un cheveu blanc. Stéphanie a un problème avec les cheveux blancs. Mais c'est très beau. Bon. Moi je suis contente. C'est trop beau. Les bijoux simples et épurés. Bah oui, moi je suis pas clinquante et tout. Mais c'est bien, ça te plaît. Avec tes beaux yeux. Ouais. Maquillage, c'est bien. Ouais, ça va. Donc, tu valides. Moi, de toute façon, je préfère toujours les femmes non maquillées. Oh, bah trop tard. J'ai du maquillage. Bon, bah désolé. Non, mais tu sais, je te l'ai dit. Oui, mais bon, j'allais pas ne pas me maquiller pour mon mariage. Et sans que t'as senti. Ouais. Sans très bien. Ouais, super, je suis contente. Non, c'est à ton image. Regarde. T'as mis des boutons de manchette? J'ai juste pas mis les patchs. Et t'as et gardé non, j'ai pas changé mon truc et j'ai super mal. Ah merde, bah de non, mais je le ferai tout, je vais le faire. Ok, faut qu'il faut en mettre un nouveau. Mais j'ai appelé, ils étaient partis. Du coup, j'étais seul, livré à moi-même. Okay. Non, mais c'est compliqué à mettre tout seul.